Le vainqueur du Ballon d'Or, star du Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema, a annoncé la fin de son histoire avec l'équipe de France, un jour après que la France a perdu la finale de la Coupe du Monde de football face à l'Argentine au tir au but au Qatar. Le star du Real Madrid a écrit sur son compte Twitter « J'ai fait des efforts et j'ai fait des erreurs jusqu'à ce que j'en sois là aujourd'hui. J'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et notre histoire avec l'équipe nationale est terminée », indiquant le fin de sa carrière internationale avec l'équipe de France. Benzema, 35 ans, a raté l'équipe nationale de son pays lors de la finale du Qatar en raison d'une blessure, et il y a eu des rapports faisant état de son désaccord avec l'entraîneur Didier Deschamps pour ne pas l'avoir inclus dans la finale malgré sa convalescence. Et des articles de presse ont indiqué qu'il y avait de profondes différences entre Benzema et l'entraîneur français, Didier Deschamps, qui pourrait être la raison de son exclusion de la participation à la Coupe du Monde au Qatar, et pas seulement la blessure. Benzema a quitté le camp d'entraînement français en raison d'une blessure le 20 novembre, deux jours avant le premier match de l'équipe nationale contre son homologue australien. Et le journal français L'Équipe a déclaré que l'équipe médicale de l'équipe nationale n'était pas en contact avec l'attaquant du Real Madrid qui a remporté le Ballon d'Or, et il n'y avait aucune discussion au sein du staff technique pour renvoyer le joueur à la suite des matchs. S'il s'était remis de la maladie blessure. La Marca, espagnole, a également déclaré que bien que Benzema figurait toujours dans la liste des 26 joueurs que la Fédération française de football a envoyés à la FIFA, ce qui signifie qu'il aurait pu être appelé une fois remis de sa blessure, Deschamps ne le voulait pas. Selon le journal, Benzema aurait voulu rester à Doha pour soigner sa blessure, afin d'avoir une chance de disputer la Coupe du Monde. Et le journal L'Équipe indique que la dispute ne remonte pas au stage de préparation à la Coupe du Monde, mais plutôt avant, lorsque le joueur n'a pas mentionné Deschamps dans son discours après avoir remporté le Ballon d'Or, ce qui a surpris l'entraîneur français. Le président français Emmanuel Macron avait exigé que Benzema participe au dernier match de la Coupe du Monde et l'emmène ainsi que les autres joueurs blessés dans un avion privé, mais le joueur ne se rendra pas au Qatar. Benzema a été le meilleur buteur de la France lors de la Coupe du Monde 2014, mais il n'a pas été un élément de la victoire de l'équipe lors de la Coupe du Monde 2018, juste avant de revenir en équipe de France l'année dernière après une absence de 6 ans.